Voilà, donc il a commencé à enregistrer. Il est 13h20. On va fermer un petit peu et on va écouter le briefing décollage de Johan. Donc je vais décoller sur la piste 12 avec du vent venant de droite. Tu confirmes, hein? Ouais, c'est de gauche, de droite, pardon. Ouais, sur la piste 12, ça va venir de droite. Et je note à l'après, on va départ 13h30. D'accord. On a 80 litres utilisables. 80 litres utilisables. Donc autonomie sans la, ces marges de 30 minutes, on a 2 heures d'autonomie. D'accord. T'es d'accord? Ah ouais. 80 litres, ça fait 30 litres. Ça fait 2h30, ouais. 2h30, sans la demi-heure, il nous reste 2 heures d'autonomie. Donc on doit poser maximum 15h30 quelque part. Dans un champ ou 4, 5, vas-y. Pousser 1 cm, là sur bosse. Et là, il n'y a personne. On est sur les freins. Il y a 29. Là tout en occupe. Ouais. Radio. Donc. Alors non, faut d'abord créer les waypoints. Hein. Blois de Fox Golf novembre Lima. Bonjour. Blois de Fox Golf novembre Lima. DR403 personne à bord au parking. On débute le roulage piste 12 pour un vol à destination de Logne. Et merci pour votre accueil. Des freins. Marche. Donc. U. Alors l'autre il s'appelle comment? ETV. Blois de Fox Romeo Delta et c'est radio s'il vous plaît. Je vous reçois 5 et nous remplis. Merci beaucoup Romeo Delta. T'as dit Romeo Delta? Ouais. C'est pas Romeo. On est ok, le passager est ok. Est ok. Ok. Tout ok. Très bien pour moi. Donc c'est bon, je t'ai logué. Et on fera un départ à 38-39 max. Ok, je préfère celle-là. Ah oui, d'accord. Préférence s'il vous plaît. 134.87. 134. En stand-by. 134.87. Blois de Fox Golf novembre Lima, le DR400, point d'attente 12 dur. J'intègre sur la piste 12 en dur et je décolle vers loin. Blois de Fox novembre Lima, je pénètre sur la piste 12 en dur. Personne à droite. Aligné 120, DPTT, directionnel, pompe, phare, transpondeur, top. Ok, on est parti. Badin, instrument dans le vert, j'ai la puissance est disponible, le badin est actif. Fox, bravo, X-ray Romeo Delta, au point d'attente piste 12 dur, je m'aligne piste 12 dur et j'attends. Je reviens dans l'axe. Ouais. Moi je la vois bien comme ça, c'est bon pour la filmer. Ma puissance est disponible. Les instruments sont dans le vert. Je cherche 70 nœuds. Il monte bien. Je prime même un peu. Je laisse accélérer un peu. Ville de Blois sur notre avant droit là-bas. J'ai mis sur le je rentre les volets et je cherche 80 12, je décolle destination Saint-Cyr. On décolle 12 dur en hein, Romain.
Ah, ça c'est, il y en a qui vient derrière nous. Blois de Fox, novembre long Lima, à 1000 pieds fin montée initiale. Je prends route vers le château Chambord. Et je reste à 1600 pieds. Encore 200 pieds. Loi du Fox Bravo X, on est en remontée initiale sur 12 jours. On va virer à gauche cap 020, destination 200 pieds. Pas beau la vie. Ouais. Ah ouais. Dans 15 jours tu remets ça alors ou pas? Bah je pense. Non, tu peux. Ouais, ouais parce que. Tu me diras, peut-être. En fait. Donc du coup enfin ça s'enchaîne si tu veux. D'accord. Bah, je te le confirmerai avant. D'accord. Quand même. Que okay. Tu prennes un plan. Ah oui non de toute façon là j'en suis à réfléchir à où donc. Ouais. Le prochain c'était le 311. Victor, au point d'attente de Charlie, je m'aligne et je décolle sur la 12 dur. Blois de Fox novembre Lima, 1500 pieds, on quitte la fréquence et on sort par Chambord. Merci, au revoir. Bon, on change la fréquence s'il te plaît. Ok. 134, 875. La fréquence d'après, 118.05. 118.05. 0, 5, ouais. Paris Info de Fox Golf novembre, novembre Lima, bonjour. Bonjour, ici Seine Information. Les services de la circulation aérienne sont provisoirement indisponibles sur cette fréquence. La TMA 7.2 Paris est déclassée en écho. Contactez Paris Information sur 126 décimales unité ou 129 décimales 625 ou si vous évoluez en ISR ou VSR de nuit, contactez Paris Contrôle sur 118 décimales 725 ou 120. Ah, c'était pas prévu. 126 unité. Hop. En sortie de zone tout dessus pour le service de l'information. X-ray Charlie, 70, 11 transpondeur. Préparé un peu. 11 transpondeur, X-ray Charlie. 126 unités là, hein, Paris. Paris de Sierra Fox pour essai radio. Ok. Donc là on passe au-dessus de l'autoroute, très bien. 1600 pieds. D'accord. Bon bah il n'y a plus qu'à viser. Voilà. Début de transfert. Début de transfert, il est 43. Paris Info de Fox Golf novembre, novembre, Lima, bonjour. X-ray Charlie, identifié radar. Reçu, X-ray Charlie. Celui qui est en face, je pense, là-bas. Dans lui, on a un visuel en face. Ouais, je vois. Paris Info de Fox Golf novembre, novembre, Lima, bonjour. La deuxième fréquence qu'elle a donnée, c'était 125. 126 unités, ouais. Et l'autre, 129 quelque chose. Ouais, l'autre, il n'est pas capté. Attends, vas-y, je vais regarder. 118.05. Non, notre Paris Info sur la 250. 250 sur la carte de 250 millions. Ah, ouais, mais je l'ai derrière. Elle est dans le sac à dos, la 250. Dans le sac. Ok. Non, je l'attends. Bon, Yankee, vous allez pouvoir passer avec Pontoise. 129.62, Pascal. Au revoir, Kilo Yankee. 129.62, c'est 129.62, décimal 6.2. Alors, 129.62. C'est d'info aussi. 129.62. Merci. Paris Info de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour.
Novembre Lima, j'écoute. Fox Golf, novembre, novembre Lima, ENR 403, personnes à bord. On vient de décoller de Blois à destination de Logne par les châteaux de Chambord et Sully. Pour information de vol, s'il vous plaît. Novembre Lima, 70-10 au transpondeur. 7-0, unité 0 sur le transpondeur, Fox Novembre Lima. Écoutez, Victor Delta, je ne reçois pas votre transpondeur, donc vous devez avoir un problème de transpondeur. Dans le sac à dos, bah donne-moi l'appareil photo, s'il te plaît. À droite, non. À gauche, tu vas le voir. Ouais. De ce côté-là. Non, non, il est en dessous, là. Hein le château, je laisse sur la bien. Bah, allez-y, on va voir. Non, vas-y, extrait carrément tout le sac. On le sort ? Ah oh ouais, surtout. Parce que là, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Je peux pas le sortir non plus. Novembre Lima, identifié radar. Reçu novembre Lima, je vous remercie. Eh bien non. Reçu. Donc vous me préviendrez quand vous arrivez dans les zones de Seine pour passer avec eux. Ouais, je vous préviendrai pour passer avec Seine. Tu le vois bien, Yoann ? Ouais, alors j'en vais faire 360. Ok, d'accord. Allez, vas-y, comme à l'exercice. Tu seras Charlie par info ? Affirme avec sa charge. Oui, vous allez pouvoir passer avec SEN 134-3, transpondeur 7000, au revoir. 134-3 avec SEN Info, transpondeur 7000, merci beaucoup, au revoir. Golf Echo Kilo, Paris Information. Golf Sierra Echo Echo Kilo, if you read me, contact Logne 118.6 and Squawk 7000. Goodbye. Nickel, Yoann, nickel. Ça, c'est du virage en palier. Ouais. T'as vu ça un peu ? Vas-y, tu peux te remettre en palier et quand même en profiter 2 secondes. Parce que là, il va disparaître sinon. Pardon ? Je regardais, j'étais concentré sur ma trace pour... Magnifique. Nickel, Yoann, super. Je vais te le laisser derrière ça. Ouais. Et je vais le garder avec moi. Donc, dans 24 minutes, on aura celui. Ok. Donc le cap suivant c'est un 75. 75. Ou 76, hein, alors c'est... 72 même le. Château Sully. Ah bon. Ah d'accord. Ah bah tiens, tu vois. Il me parle, c'est la première fois que je le vois parler en vol. Eh, c'est normal, c'est la première fois que je le vois en vol. Pour info Victor Delta, je vous vois au radar maintenant. Okay. Je pense qu'avant vous étiez dans Poitiers et donc c'est pour ça que je voyais pas. C'est-à-dire que vous avez un agrégation radar et l'image ne vous est pas montrée parce que j'étais dans les CV de Poitiers, au proche des CV de Poitiers. Ben on peut supposer ça, ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, mais bon. Ouais, moi aussi, alors, ou alors parce que là je l'ai coupé pendant quelques minutes, je sais pas s'il chauffe pas, parce qu'il fonctionnait tout à l'heure. Mais d'accord, bah écoutez, là c'est parfait, je vous vois. Ah bah c'est super. Ça, ça risque de bouger un peu, ça ne dérange pas, là sur le forêt ça va bouger un peu. Non, non, bah il n'y a pas de problème. Hein.
Là, c'est un château, je sais pas, c'est un central. Centrale nucléaire, c'est vrai. Je sais pas. Service information de Fort Kilian, Québec, bonjour. Ça me fait penser à Saint-Laurent-des-Eaux. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, elle est dans la R149. Donc là, en regardant quelque part, il y a peut-être un château, je ne me rappelle plus très bien. Je monte à 2000 et je redescends après. D'accord. En direction de Dieppe, je viens d'être libéré par. On la voit à la centrale là-bas. Info, je suis à 4500 pieds, 2016. C'est le transpondeur. C'est pour une navigation vers Deauville et retour, madame. Très bien, monsieur, vous affichez 70 unité unité, Juliette Québec. 7-0, unité, unité, Fort Juliette Québec. Novembre Lima, Paris Info. Je vous reçois à Novembre Lima. Vous passez avec Seine Info 118-05, transpondeur sur 7000, au revoir. 7000 et je passe sur 118-05, je vous remercie madame, au revoir. Non, on change de fréquence, s'il te plaît. Voilà. Seine Info de Fox Golf Novembre Lima, bonjour. Golf Novembre Lima, Seine, bonjour. Fox Golf Novembre Lima, je viens de quitter avec Paris Info DR400, 3 personnes à bord en provenance de Blois à destination de Logne par le château de Sully-sur-Loire. Pour information de vol, s'il vous plaît. Golf Novembre Novembre Lima, identifié 70-35 au transpondeur. 7035 sur le transpondeur Fox Novembre Lima, merci monsieur. Correct. Seine de Fox X-ray Lima, bonjour. Fox X-ray Lima, Seine, bonjour. Bon, je suis un peu moins stressé que la dernière fois. Golf, ouais. Fox X-ray Lima, tout le monde me dit que je stresse trop en vol. En provenance de Troyes et en destination de Moret. Actuellement, 3200 pieds QNH. Moret, il y a un gars qui aurait pu. Fox X-ray Lima, Seine, bonjour. Transpondeur 34-54. Bonjour, je suis stressé qu'un conscient. 34-54, merci, au revoir, excellent. Orléans à gauche. Alors, c'est Québec, c'est pour quitter la fréquence, c'est passé à l'autre terme. Là-bas? C'est Québec, c'est Orléans, ouais. Québec, c'est Orléans. C'est l'info de Uniforme Extra Charlie, vous savez si la fréquence de Brissy est active? Les zones de Brissy ne sont pas actives aujourd'hui. Reçu, merci, Extra Charlie. Donc on a environ novembre, 15 de tic, 19 minutes. Novembre Papa, rebonjour. Non, bonjour, je vous rappelle. 57, vers 55 on devrait passer au-dessus de l'autoroute, enfin d'une grande route. Et juste derrière la voie ferrée. Bon, on sera sud de Orléans. C'est pas à gauche le château là? Peut-être, ouais, il y en a un ou deux, voir. Où c'est que tu as un château à gauche là? C'est un tout petit là, il y a un tout petit là à gauche. Ah ouais, c'est bien possible. Le champ bois, il est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Allez, hop, on shoot. Bon, c'est bon, j'ai zoomé. On travaillera tout ça après. Ouais, finalement aujourd'hui je suis parti sur la Bicam, la Bigotro, parce que 3 ça fait 3 de toute manière. Et l'autre fois, avec les photos, j'adorais donc. Qui souhaite quitter? Fox Bayonki, Victor Bravo, ce serait pour passer avec mon sérieux, je vais passer vertical de chez eux dans 5 minutes. Là, si on a un pas de moteur ici, Victor Bravo, c'est reçu, vous pouvez passer. Oh, il y a plein de petits champs, tout petit. Il nous faut un truc de précision. Là bas il est un peu trop loin, oui. Là, là bas, devant. Bon, il y a de l'eau, tu fonces sur l'eau, tu fais ta ressource et pouf. Chain information, good day, Hotel Bravo, Sierra Delta Charlie. Hotel Bravo, Sierra Delta Charlie, Chain information, good afternoon. Je vais la laisser sur ma gauche. Good afternoon, Diamond Star, Delta Alpha 40, two birds support, VFR from Condom to 3. Position 5 miles west of Clamcy. Les instruments sont en vert. Le réservoir est en train de se vider. Oui, le standard de l'instrument est en vert. Là, la batterie toujours dans le vert. On va aussi Delta Charlie à 95, 3, 4, 5, 5. C'est on.
The new smoke is 3455 Hotel Delta Charlie. Correct. On est au sud-ouest, c'est une petite ville en jaune là. C'est du, c'est du 1700. Ouais. C'est quoi? C'est du 1700 pieds, c'est... Le Rio. Quelque chose comme ça. En tout cas, je vais rester à l'extérieur. Je... Ouais, c'est bon là. Ouais. Bah, je pense que c'est celle-là. Là, le central, c'est de nos gens, non, ou pas? Non, ça, c'est non, celle, justement, qui est juste à l'est de Sully. Ah, ok, ouais. Alors, c'est pas compliqué comme problème, comme objectif, c'est entre les deux tours de droite et les deux tours de gauche. De à la même altitude. Mais BA10. Si t'as envie de prendre des photos des mirages, oui. Donc ça, tu auras l'occasion de prendre des mirages en photo. Bah, voilà. Et eux aussi. Hein. Mon avis, c'est ta licence qui va prendre en photo aussi. Ah non, alors c'est pas celui-ci, ça c'est l'autre ville, je me souviens, on est déjà à 55. C'est la mode Bourgeon. Et ça c'est l'autoroute à 10 donc. Donc celle-là, ouais, elle est bien grosse, c'est 3300 le survol. Il y a un mini château. Ouais, il y a tout un tas de maisons de maître là qui sont vraiment pas mal. Hein. Voilà l'autoroute à 10. À 10 ou à 11 là. Celle qu'on emprunte quand on va dans le Limousin. La mode Beuvelon, ça m'a toujours éclaté comme nom ça. La mode Beuvelon. C'est une lointaine époque que les jeunes ne peuvent pas connaître, et par exemple qu'il y avait un sketch ou une connerie sur la mode Beuvelon. Ouais, c'est un nom connu. Ouais. Je sais plus pourquoi c'était, mais... Bon, donc on est bien ici. Et c'était bien 55 comme j'avais évalué, je me disais... Hein, la petite ville, elle paraissait bien loin d'un coup de la grande. Ok, donc on reprend ici. Alors attends voir. J'ai dit des conneries, c'est la Ferté Saint-Aubin. La mode Beuvron, c'est à droite. On est au nord de la mode Beuvron, ça peut pas être ça. Et il y a une ligne de chemin de fer en dessous, d'accord, c'est ça. Donc c'est pas la mode Beuvron, c'est la Ferté Saint-Aubin. Voilà. La mode Beuvron, elle est derrière quelque part là-bas. Au bout de la ligne. Ça doit être ce qu'on voit là-bas. Donc la Ferté Saint-Aubin. Pareil, 3300 pieds. On va passer au-dessus du Cosson. Petit... Personne, je vais revenir sur mon axe. Ouais. Bah, une petite ville qui fait 1700 pieds de survol. Elle a l'air de rien comme ça, mais... Reste légèrement à droite de ton axe, comme ça. Mais s'il y a un rigoureusement comme sur la carte, je survolerai une petite ville jaune. Voilà, ça c'est celle-là. Ah, à quoi que, ben non, ça y est, c'est bon. La petite ville jaune, ça se trouve, c'est celle-là. Ouais. Juste après la botte, après la ferté machin là. Ouais, ça doit être ça. On est d'accord. Bon alors, le truc impossible ici, c'est de repérer un lac sur la carte. Ah ça. Alors ce lac-là, c'est celui-ci. Quelle est-il à la noix? C'est limite marécage ici. Ouais. C'est une info de Foxtrot Golf Uniform X-Ray Charlie pour quitter la fréquence. Fox X-Ray Charlie 7000 et vous pouvez quitter la fréquence, au revoir. 7000 et quitte la fréquence, merci, au revoir. Ah, la fréquence d'après, s'il te plaît, ça sera à Malin, ça va être des Malin. On va, hop là. Allez, viens ici, toi. On régule en fonction du 21. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il a basculé sur machin là. Non, on revient, ouais, et en bas. Voilà, 121 décimales 1 s'il te plaît. 121 décimales 1. Entrée. Entrée. Ouais, c'est bien malin. Ok, merci. Comme ça on est tranquille. De toute façon, Sully, ça doit être le patelin, le décrochement qu'on voit juste devant nous là. Sinon, pour pas le louper, celui-là, c'est pas compliqué, on oblique légèrement à gauche, et on prend la Loire, qui nous met dessus. On est encore à 50 km, donc c'est pas... Ouais. On arrive à le voir. On a encore du temps, on a encore un quart d'heure. Ah oui, ça fait 50 km, ça va, identique donc. Et là, en grande speed, on est à 120. Donc on a un petit... Ah bah tiens, tu vois, regarde... À peine en zéro. Même pas, on a zéro, ouais.
en face. Hein. Alors, on a quand même du grand, on a quand même 7 d'écart. Hein. On dirait que le vent de travers il nous pousse. Étonnant. Du langage, c'est vraiment 2 minutes 30 du langage en 7 2, tu prends. Vraiment pas de trafic. 2, 3, 2, là, ouais, tu vas servir de marché. Trafic connu, on peut, on l'a et on va faire en descente justement. Bon, mais t'es du bon côté en plus, Jean-Luc là. Ouais, c'est bien. On voit bien là. Ouais. On va faire une photo là. Novembre Sierra Alpha, bonjour. Sierra Alpha, je vous écoute. Je sais pas si Chambord, ça va être le 125e. Sierra Alpha, Robinson 44, on est deux personnes à bord au départ de la région d'Épernay, destination Pont-sur-Yonne, et on est à 1600 pieds, au sud d'Épernay. Norme 578, Sierra Alpha, identifié 34-55. C'est joli les champs à gauche, là, comme ça, avec les couleurs. 34-55, Sierra Alpha, c'est affiché. Donc tu vois ce qui nous manque dans le Cibus, c'est ça, là. C'est tout petit tressautement. C'est génial. Ouais. Ah, c'est génial, c'est là où tu vois que t'es vraiment... Devenir pilote, c'était un rêve depuis très longtemps. Et je croyais jamais un jour que je vais vraiment, et je vais y arriver vraiment piloter. Ouais. Pour moi c'était un truc incroyable, je ne vais jamais le faire, c'est juste un rêve. Et là quand je vois là, c'est génial. Ouais. Mais pareil pour moi, c'est un truc auquel j'avais pensé. Jean-Luc, c'est ton... je m'appuie sur toi, hein, c'est normal. Ouais, je t'inquiète pas. Je tente pas de te faire du genou et du coude. Hein. Non mais ça fait un bout de temps que tu me caresses le genou. Ah ouais, d'accord. Je viens de me rendre compte seulement maintenant. Alors le DR400 n'est pas équipé d'accoudoir. Et non. C'est pour ça il y en a un mobile là, tu vois, c'est génial. Ouais, moi c'est pareil, c'est un truc de gosse en fait, hein. J'aurais toujours... enfin, j'aurais bien aimé voler quoi, je rêvais. Et puis bah, j'avais abandonné ça mais complet quoi. Et la Cibu il y a deux ans et demi maintenant qui m'a mis dedans. Et puis... qu'un jour tu fais les comptes, tu te dis oh mais c'est pas impossible. Est-ce que c'est possible pour le boulot? Oh ça va, ça s'organise. Et voilà. Une chance. Bon à mon avis celui ça doit être derrière là-bas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on aurait de beau là? De toute façon, on a LFOZ qui est quelque part derrière à gauche là-bas. Ah, c'est pas évident de le voir LFOZ là. Ah, tiens, par contre, on voit qu'on arrive sur. Ouais. Ah, il a raison en plus. Hein. Ah, il a raison. Alors, on est à 9 minutes. Vous arrivez en phare. 7000 au transpondeur quitté, pareil info 126 décimales unité pour la suite, au revoir. Ouais, il y a des petits lags. Que je comprends pas, c'est quoi les infos? Novembre 987 Golf Tango, bonjour. Novembre 987 Golf Tango, Seine, bonjour. Bonjour monsieur, Golf Tango, un TB20, on vient de décoller de Vitry-le-François, on va à Logne, nous sommes deux personnes à bord stable à 3500 pieds 1017, on fait route sur le port de Vatry, est-ce pour l'information de vol? Novembre 987, Golf Tango, identifié 3456 au transpondeur. 3456, Golf Tango. Et Fox Sierra Echo, toujours preneur du niveau 100. Une espèce de structure là. C'est pour le Sierra Echo? Affirme, toujours preneur du niveau 100. Non, non, on va rester au 80. Si. Il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'il nous annonce à 8 minutes le point suivant. Ouais. Et qu'on est déjà sur la Loire. Et que celui en Loire, il est là. Celui sur Loire, à mon avis, c'est ça, là. Non. Ah si, hein. Ah putain, donc UPTV1 il est mal placé, j'ai fait une erreur dans UPTV1. Celui sur Loire il est là, regarde, je le vois, il est à droite là. Donc c'est moi qui t'ai induit en erreur. Celui sur Loire, le château, je le vois, il est là. Moi j'avais calculé... Je reçois pas votre report d'altitude. À 0,7, c'est ça, on est à 2 minutes. Celui sur Loire, c'est ça. Novembre Sierra Alpha, je vous reçois 5, on est bien sur Alte et on est... c'est le grand château qu'on voit. Pas de problème, mais voilà. C'est vrai que Sierra Alpha, confirme-moi le Sierra Alpha. Ah, certain. Robinson 44, Sierra Alpha. Et Golf Tango, le type d'appareil également? Quand tu regardes les boucles de la Loire,
Tu vois ces trucs là comme ça, c'est ça hein. Tango, confirmez-moi votre type d'appareil. C'est un TB20 monsieur. Merci. Plaisir. Il y a un château là où je m'attends à voir un château donc. Et à côté de soi, on a une ligne de chemin de fer. Faut que je ne rentre pas par une minute 135. Par contre, si tu veux qu'on le voit bien, j'aurais vu que tu t'éloignes un peu à gauche. Le largage est approuvé, rappel en descente pour quitter. Préparez pour quitter le rond. Là, c'est pareil, c'est une ville jaune là, donc vaut mieux passer à gauche là. Hôtel Bravo Sierra Delta Charlie, Vail Power Shifting Activity, on va dire que la 5.1, near 12 o'clock for 10 miles. You need to avoid the vicinity of the airfield, probably by the west. Hotel Delta Charlie will avoid it to the west and north. Thank you very much. Send to Fox Juliet X, Fox Papa. Juliet X, Fox Papa, je vous écoute. Et vous me confirmerez que je peux rester avec vous parce que c'est la CMA Paris 7.1 en clair. Tu peux en profiter un peu, on le voit bien là. Fox Papa affirme, pas de soucis, vous maintenez ma fréquence. Je maintiens la fréquence au niveau 75, 75, Fox Papa. On croit que tu le prennes assez large là, vrai. Si tu veux virer. Hein. Non, je continue. On continue, hein, il est bon. Hein. Tu le vois là? Ouais. Il est bien, hein. Tu le vois Jean-Luc? Ouais. Ok. J'ai passé sur la branche suivante, vrai. Donc je remonte à 3000. Ouais, d'accord. Voilà, tu vois, il est 6-7 là, c'est bon, on est arrivé à l'heure. C'est une info de Fox Golf Novembre Lima, je remonte à 3000 pieds. J'ai reçu Novembre Lima, attention à la Papa 24. Elle est sur ma droite. Affirmé devant vous aussi. Je tourne à gauche immédiatement, merci. Il n'y a pas de gros virage à faire, hein, mais si vous frôlez 10 degrés à gauche, ça sera un peu plus large. Ok, merci, c'est fait. Salut Pilatus, bravo Romeo, rebonjour. Pour du largage au 55 et au 135 à Saint-Denis, en contact avec Kilo Victor qui évite la verticale. Ok. Bravo Romeo, vous avez dit 55 et 135, c'est correct? Affirme bravo Romeo. Bien sûr, rappelez au 55. Rappellerai pour larguer au 55, bravo Romeo. Non, tu vois, c'était, il y avait une anomalie sur le log, là où tu l'as pris. Ok. Je me suis pas trompé, c'est pas grave. Ok, j'ai activé le direct tout. Ouais, comme ça c'est logique. Je sais pas pourquoi il nous a dit ça, parce qu'on en passait loin là. Enfin, il savait pas notre intention, c'est pour ça. Il a cru qu'on allait dessus. Ok. C'est bon, PSM, on est à 22 minutes. Par rapport au log qui était marqué sur 25, on a avancé un petit peu, on est d'accord. Ouais, joli. Là je pousse, c'est fini. C'est fini, ok, très bien. Scène Novembre Sierra Alpha. Novembre Sierra Alpha. On a 50 litres, on a une heure et demie encore. Novembre Sierra Alpha, plus que ça, on est sur les 80 litres là. Par ici, Affirme, pour aller à Pont-sur-Yonne, ça captera mieux sur 123-125 dans ce secteur que sur l'autre écran. Alors Merci Sierra Alpha, et j'ai bien vu sur la centrale de Nogent et je ne passe pas dans la zone. C'est parfait. C'est l'info de Foxtrot Golf Uniforme X-Ray Charlie, bonjour. Golf Uniforme X-Ray Charlie, Sen, bonjour. Golf Uniforme X-Ray Charlie, ce serait pour le service de l'information. Avec plaisir X-Ray Charlie, il va me falloir le type d'appareil, nombre de personnes à bord, provenance et destination. Oui, désolé, DR400 en provenance de Chalmers à destination de Chambord, deux passagers à bord, enfin deux personnes à bord, actuellement 3100 pieds. Ah, ils vont nous croiser, peut-être. Et X-ray Charlie, donc j'ai de nouveau le contact radar, transpondeur à 70-35,
Et vous faites attention, activité planeur et largage para à Saint-Denis, il faudra éviter la voisinage du terrain. D'accord, il va partir à 70-35, j'ai reçu les informations. Donc Saint-Denis sur notre gauche, Jean-Luc. Ouais. Parce que c'est ce qu'on voit là-bas, tout à gauche. La grande zone. La trouée là, ouais, à mon avis, ça doit être ça. Retour sur Chavenay par. C'est dans l'encadrement de l'aile. Ou alors un peu plus à droite, peut-être. C'est une des grandes trouées qu'il y a dans la forêt. Et là, il faut que je vous engage. Fox Sierra Echo, contactez Paris 125 450, au revoir. Golf Charlie, Sierra Echo, Seine. Oui, Sierra Echo. Sierra Echo, contactez Paris 125, décibel 450, au revoir. 5 450, merci, bonne fin de journée. Ça doit être Laurie. C'est Papa Romeo, Seine, je vous écoute. Paul, nous avions qui Papa Romeo, un DR-400, 3 personnes à bord en provenance de Joigny à destination de Vatry, 2600 pieds, QNH-7000. Ah, Papa Romeo, 34-57 au transpondeur. 34-57, Papa Romeo. Hotel Bravo, Sierra Delta Charlie, we are 8 minutes southwest of Troyes. Would you like to change to the frequency of Troyes, 123725. Approve the Delta Charlie, Squawk 7000, have a good afternoon. Oui, Squawk 7000, you too, bon après-midi et merci beaucoup. Bon après-midi. Rapport. Papa Romeo identifié. Reçu Papa Romeo. Seine Info, Fox Mike Tango, bonjour. Fox Mike Tango, Seine, bonjour. Fox Hotel Golf Mike Tango, un Cessna 172 en provenance des Tempes à destination d'Auxerre, 3 personnes à bord. On est à 2500 pieds QNH en montée vers 3000. Hotel Golf Mike Tango identifié, 70-40 au transpondeur. Sur l'intégration de Lognes, je te mènerai un peu, je te m'aguiderai, je suis passé pour l'intégration à Lognes. Ouais. Bon, j'ai pas l'habitude de faire la verticale. D'accord. Oui, je te m'aguiderai si je me trompe. D'accord, ok. Voilà, autoroute 12. J'avais dit quoi tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Bon, tu sais quoi, elle me fatigue. Je te la donne. On ne va pas inquiéter à tout à l'heure. Non, en plus, je l'ai déchiré tout à l'heure. Alors, salut Pilatus, bravo Roméo, une minute du parachutage au 85 à Saint-Denis. Correction, le premier c'était le 85. Et là c'est Corbeil, Roméo, donc Corbeil, vous avez un trafic à l'intégration qui est le Victor juste dessous vous. Marquage approuvé. La mer à tête toujours pas. En contact avec Kilo Victor, rappel Re 135, bravo Roméo. Marc là, j'ai qu'à faire ça, hop. Voilà. Il y aura Mike à 15 minutes. Ok, bon, c'est ça, je commence en dans le vert. J'ai les températures et pression d'huile, la pression d'essence en dans le vert, la batterie charge dans le vert, et il me reste un peu plus de 50 litres. Et ce sera pour une vingtaine de minutes. On est à 70 litres là. Golf Uniforme Mike India, rappelez débutant. Donc c'est-à-dire 2 heures. Et nous on a une demi-heure de vol, ou 35 minutes. On est parti à 38. 38. On va dire 40. 45, je sais pas. Ah, 63, voilà. On est parti à 30, donc 38, ça fait 40. Allez, à 42, 45, on va dire. Hein. 45, on est arrivé. C'est une info, c'est Fox Golf Hotel Extra Québec. Bonjour. Golf Hotel Extra Québec, c'est une info, bonjour. Québec, Impératrice, on est travers de Jules François, on monte vers du Saint-Pierre pour Logne. Golf Hotel Papa Québec, identifié, transpondeur 30. Antarctique, toujours 31. À droite. Transpondeur 3761, merci. Oh, il y a une image à faire là, un truc de malade. Ouais.
problème, c'est que... Alors là, c'est pas bon, avec la piste. Seine, Fox Bravo Uniforme, non, c'est bon, Papa Québec, bonjour. Normal, Yohan. Fox Bravo Uniforme, Papa Québec, Seine, bonjour. Ah, c'est dur. Fox Papa Québec, un Robin DR400, 3 personnes à bord, en provenance de Trois-Barberets et à destination de Auxerre. Bravo Uniforme Papa Québec, c'est reçu, vous êtes identifié, surveillez un trafic dans vos midis de nautique, route opposée et en descente, vers 3 également, donc vous croiserez d'ici 30 secondes légèrement sur votre gauche, transpondeur 3462. 3462, on est à 2500 pieds et on va rester à cette altitude jusqu'à Auxerre. C'est parfait, et donc vous serez deux Papa Québec sur la fréquence, il faudra faire attention et utiliser l'indicatif complet, Bravo Uniforme Papa Québec. C'est bien reçu, Fox Bravo Uniforme Papa Québec. Golf Hotel Papa Québec, donc deux Papa Québec sur la fréquence, on utilise bien l'indicatif complet. Bien reçu, Fox Golf Hotel Papa Québec. C'est Fox Mike India pour débuter les évolutions. Mike India, pas de trafic connu dans le secteur, rappelé toutes les 5 minutes pour le service d'alerte. C'est bien pris pour Mike India, je vous rappelle toutes les 5 minutes. De Fox India Oscar, bonjour. Alors, on est juste là alors. Fox India Oscar, Sen, bonjour. Fox Papa Alpha Kilo Oscar, C680, on vient de décoller d'Auxerre, on a destination de 3. On a 4 missiles QNH. C'est le moteur à faire rater, non. Papa Alpha Kilo Oscar identifié, transpondeur 3462. Tu disais 462, Fox Kilo Oscar. J'ai entendu que le moteur a fait rater un peu. Bonjour, de nouveau monter à Montargis pour niveau 100. Extrêmement, Montargis, c'est reçu, rappelé au centre pour larguer. Au centre pour larguer. Donc la basse elle est de Nemours. Ce novembre Lima, recontactez-moi 134 décimal 3. 134 décimal 3 à novembre Lima. Bon, attends, je vais y arriver. Fox Novembre Lima, désormais sur 134 décimal 3. Novembre Lima 5, parfait. Merci. Donc 121 décimal 1 de nouveau, s'il te plaît. Ah ouais, en plus je l'ai noté, mais j'ai pas vu. Sain de Fox, X-Ray bonjour. X-Ray Lima, Sain, bonjour. Sain de Fox, Ghost Fox, X-Ray Lima, en vue de terrain de Moret, pour quitter. Il est quelque part là-bas. Fox X-Ray Lima, 7000 au transpondeur et quitter la fréquence. 7000, au revoir. Ok, donc là on a Nemours, Moret c'est quelque part à droite là-bas, je peux pas dire exactement où, derrière on a un autre patelin dont j'ai plus le nom en tête mais que je connais, et après là-bas ce qu'on voit derrière, c'est Fontainebleau. La question étant de savoir si c'est celui-là là-bas Fontainebleau, et là-bas ça va être Moret-sur-Loing. Au 135 à Saint-Denis, en contact avec Lima Bike qui évite la verticale. Ok, donc on est là. C'est parfait, Lima India aussi qui n'évitera pas la verticale, Bravo Romeo, et vous pouvez arguer, rappeler en descente pour quitter. Et aussi Lima India dans le circuit, Bravo Romeo, rappellera en descente.
Alors Morée, c'est quelque part derrière là. Quand j'avais fait le vol de Chartres, je venais comme ça de gauche là à droite. Et j'avais commencé la descente au nord de Nemours. Donc Morée en fait dans le... Tu vois le grand bâtiment carré blanc là-bas. Morée il est quelque part juste devant. Actuellement libéré par Strasbourg, au sommet au nord, à environ 10 nautiques de Sierra Kilo, à 4500 pieds. Demandons information. Juliette Whisky Fox Lima identifié, transpondeur 3462. LSPU, il est sur notre avant. 3462, Fox Lima. Fox Papa Echo, bonjour. Fox Papa Echo, Sen, bonjour. Seine Fox Hotel, Fox Papa Echo, Airspace 172, on vient de deux personnes à bord, on vient de décoller d'Auxerre à destination Bétampes, on a actuellement 3 km de NHP 18, en montée vers 6005, et c'est pas l'information de trafic. Hotel Fox Papa Echo identifié, 3463 au transpondeur. 463 Fox Papa Echo. Ah, c'est peut-être le terrain que je vous devine là-bas. 987 Golf, Tango 7000 équipé, Paris 126 unités, au revoir. 7000, on quitte la fréquence novembre Golf Tango, hein, monsieur. Ouais, Sierra Mike, on tombe pas dans le dans la classe, dans la TMA, là. Dans l'autre TMA, là, c'est, enfin celle qui est en prolongement de cette R. Ouais. On tombe pas dedans, on y arrive dessus. Bon, c'est bon, là, dans 2 minutes, je descends à 2500, c'est d'accord. Donc là, Jean-Luc, on a Fontainebleau, là, sur la droite. Ouais. Alors, attends voir. Là, immédiatement ou au loin? C'est ce que je suis en train de me demander. Alors, je dirais que ça serait celui qui est là, Fontainebleau, là. D'accord. Alors, en même temps, ça me paraît à peu près, mais bon, la trajectoire fait qu'on passe de Fontainebleau. C'est qui, Bravo Roméo, descend de la Saint-Denis à tout à l'heure. Bravo Roméo qui était ouais, là. Ouais, ouais, ça doit être ça. Roméo. Là, on est à côté de la ligne de chemin de fer. Il y a la route, donc on est ici. Ouais, c'est ça, Fontainebleau, c'est ça. Celle-là, c'est la mode Bourron-Barlotte, je crois que ça s'appelle. Qui appelle? Bien, c'est ce que je pense. Ouais, c'est pour vous informer que ça fait 5 minutes sur la zone. Mike India, c'est reçu, vous avez un trafic ouest de la zone, légèrement ouais, nord-ouest, 3 nautiques, 15 pompiers, et qui interférera d'ici 1 minute 30. Moi, je partirai un petit peu plus à gauche, je crois. On est prêt pour s'approcher de Château, Fontainebleau. Bah non, il vaut mieux s'éloigner un petit peu justement. Parce que si tu t'approches trop, je le verrai pas bien. Ok. Et là, tel qu'on est parti, on va dessus. Hein. Enfin, on passe au-dessus de la ville là. Ouais, on voit les FR2 du Château là. Et je pense que j'ai vu l'aérodrome de Morée là-bas au fond. Je descends à 2500. D'accord. Paris FN Info, 2 Fox Novembre Lima, je descends à 2500 pieds. Novembre Lima aussi, pas de trafic connu à vous signaler pour le moment. Merci Novembre, pour Novembre Lima. Novembre Lima, j'ai un QNH à 1015 à Melun. À 1015 QNH, Novembre Lima reçu. Et je vais quitter la fréquence pour contacter Melun déjà. Aussi Novembre Lima, alors du côté de Sierra Mike en sortie vers, avec un cap au sud, 1000 pieds bas, j'ai un trafic actuellement qui se trouve, qui vient de passer le sud de la ville. Affiché 7000 et contactez Melun en auto-info votre transit sur 121 décimales unités. Bonne fin de journée. Merci madame, je contacte, merci pour le trafic et je contacte Melun 121 décimales 1 et VFR pour le squawk. Jean-Luc, tu vois le château là? Ouais. Melun de Fox Golf Novembre Lima, bonjour. Melun de Fox Golf Novembre Lima, EDR 400 en provenance de Blois, à destination de Logne, à 2 minutes 30 du point Sierra Mike, pour transit actuellement à 2500 pieds, pour un transit par novembre, et je descends de 2500 à 1500 pieds dans le CDR de Melun. Fox Novembre Lima, EDR 400. Il est où le trafic Je le cherche. Hein. À mon avis, Sierra Mike, il est un tout petit peu plus à droite, là.
Juste là, ça c'est Blois. Je le regarde, s'il est quelque part, il est en dessous. Tiens, l'hippodrome de la Saule. Là. Donc là, on est au-dessus de Fontainebleau, les amis. Voilà. Je te mettrais 2400, moi, si j'étais toi. Je descends à 2400. Je le cherche, je le vois pas, à mon avis, depuis le temps qu'il l'a annoncé, il est parti. Tiens, juste à droite, Jean-Luc. Ouais. T'as une petite muraille, enfin une petite ruine. Ouais. Ça s'appelle la tour de Necourt. D'accord. Et juste en dessous, donc on a Fontainebleau là. C'est génial. Ok, ouais, je vois. Un jour on ira faire une balade sur Fontainebleau. Mais on sera dans les 2000 pieds max. Tu vas avoir l'impression de toucher les arbres. Je te prépare s'il te plaît la fréquence 125.02. Hop là. 5.025. Ok, elle est préparée. Ah, merci. Voilà, tiens, il est là, Ciramac. Voilà. Melin de Fox Novembre Lima, le DR400 à 3, à 30 secondes de Sierra Mike à 2500 pieds. Melin, Fox Hotel, Papa Delta Fox, bonjour. Bien. Venez voir. Daniel. Melin, Fox Delta Fox, un DR40, deux personnes à bord en provenance de Logne. Ouais, avec un cap 230 400 pieds. Je suis à 1 minute du point novembre et pour un transit dans la zone par le château de Volvicomte à 1000 pieds et un retour sur l'autre. Ah oui, merde, il est devant nous. On va le voir. Coucou Sabi. Melin de Fox Golf novembre Lima à 2500 pieds à Sierra Mike. On se dirige par novembre. Pour retour à Logne et je descends doucement à 1500 pieds. Donc si t'as jamais vu Volvicomte, Jean-Luc, c'est devant là. Si, on l'avait pas passé avec Daniel. Si, ouais, c'est pas impossible. Fox Delta Fox, au point novembre, 1400 pieds. Je continue sur les installations et je suis au château de Volvicomte, à la même altitude. Ok. Bon bah c'est bien reçu pour nous. Le Fox Novembre Lima, on est au sud de Volvicomte, 2400 pieds. On commence la descente après le château alors. Pas de visuel pour le moment. Bien dans l'autre sens? Ouais. Oui, il va venir voir le château aussi. Et il est à 1000 pieds plus bas donc. D'accord. C'est pas évident de le voir. Delta Fox, votre altitude s'il vous plaît. Delta Fox, 1300 pieds, je suis à 1 minute de la verticale de Melun avec un cap sud. Merci, il n'est pas visuel actuellement. Je suis à la verticale de Château, 2400 pieds. Fox Novembre Lima. Ok, reçu Novembre Lima. On va descendre après les installations. On descend à 1000 pieds pour Volvicomte. Reçu. On peut commencer à descendre alors. Je traverse les axes après je descends. Ouah, c'est génial. Pas de visuel. C'est bon, on est vertical. Je le surveille. À 3 minutes de novembre. Melin de Fox, novembre Lima, je traverse les axes à 2400 pieds.
et je débute la descente à 15 centimes. Novembre Lima, Delta Fox, je suis au-dessus des axes, je suis à 1200 pieds, je vous ai pas en vue, j'espère que vous me voyez. Non plus, mais je pense on s'est crevé, là je suis devant l'axe maintenant. Ok, reçu, pas de problème. Bon, en tout cas, je suis plus haut, donc c'est bon, je débute la descente. Ah, tu vois pas l'avion qui est juste dessous là, quelque part? Non. Bon, il doit de toute façon, il est passé derrière, parce que s'il croise les axes, bon, c'est bon, on a dépassé. Là, la piste, c'est quoi? Melun. Melun, d'accord. Okay. On va revenir à 30 secondes sur la piste. Trafic à gauche. Attends, là-bas. Trafic à gauche, okay, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est lui. Ouais, ouais. Tu veux lui dire. Ok, on a dépassé, j'ai le deuxième, on est derrière vous. J'ai reçu Delta Fox. Bon vol, merci. Merci, à tout à l'heure peut-être. Ok, novembre est là. On va passer 30 secondes sur la piste, on revient. 8, caution burst hazard, wind 160 degrees, 9 maximum, 14 knots, visibility 10 km, temperature 25 degrees, cape number hotel 1015, today sunset 1703 UTC, sud de la zone, initial contact, satisfaction jet, thank you. Bonjour, ici Logne, information Juliette, enregistré à 12h15 UTC, piste en série 08, attention escavière, vent 160 degrés 9 à 14 nœuds, visibilité 10 km, température 25 degrés, Québec en Bretagne 1015, aujourd'hui couche du soleil 17h03. 08 hein, 08 ouais. Et Juliette. Ouais. Ok. Melun de Fox Golf Mike Extreme Bravo, bonjour. Je crois qu'on y arrivera pile à 1500 là. Oui, l'arc il m'a dit que j'arrive à 1500 avant. Ah d'accord. Annonce de Moret. Ce serait pour faire un vol découvert aux alentours de Volvicombe, je rappelle, vertical qui va Mike dans 5 minutes. Melun de Fox Novembre Lima, vertical de point novembre, on retourne à Lone et on quitte la fréquence, merci, au revoir. Vas-y, vas-y. Lone de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Voici Echo, piste 08, autorisé touché en 180 degrés, 9 à 16 nœuds. Echo, je touche en 08, d'ailleurs. Novembre Golf Tango, pour information de nautique de l'envoi, un Robin qui fait route écho. On a visuel Golf Tango. Monsieur Golf Tango, un autre trafic dans le même secteur, gauche-droite. Alors celui-là on le voit pas, on le voit là, Golf Tango. Je surveille. Et là, ce deuxième trafic est à 1500 pieds, Golf Tango, donc dans vos midi de nautique, gauche-droite, 1500 pieds. C'est noté. Novembre Lima, 3733, transpondeur, je vous écoute. 3733 sur le transpondeur, en retour de Blois. Pour un complet par le sud, si possible. Novembre Lima, rappelé à 30 secondes de la verticale 1500 pieds. Je rappelle, 30 secondes de la verticale 1500 pieds et transpondeur 3733. Novembre Lima. Golf Tango s'est croisé avec le trafic précédent. C'est reçu, Golf Tango. Merci, Papa Lune Tour, bonjour à niveau piste 08, autorisé décollage, rang 180 degrés, 8 à 16 9. On s'aligne et on décolle piste 08, Kilo Papa. Victor Novembre, Montour, bonjour, après le départ du Robin, devant vous, niveau piste 08, dur, attendez. Kilo Tara. En face, là-bas. T'as 30 secondes, ouais. Là-bas. Victor Novembre, le tour. Victor Novembre. Victor Novembre, après le départ du Robin, devant vous, niveau piste 08, dur, et attendez. Après le départ du Robin, on s'aligne et on attend, Victor Novembre. Fox India, Echo pour information trafic, Robin approche Echo pour intégration. Ok, bien copié, Echo, je vais bien. Victor Bravo, trafic PA28, milieu de montée initiale, tour de piste, passant Echo, entrée rappelée, l'entrée main gauche, piste 08. Nous voilà, et on rappelle finale, piste 08, Victor Bravo. Non, rappelé en vente arrière, initialement, Victor Bravo. Ah, donc, on rappelle en 08, arrière, donc je tourne à gauche. Je tourne à gauche, ouais, 08. Ok. Je descendrai à 2000 après, quand il m'a l'avion. Regarde, tu montes un petit peu.
Victor Bravo, on a mis à la sur la terre. J'ai reçu Victor Bravo. Victor Novembre, autorisé décollage. 08 durant 170 degrés, 8 à 16 nœuds. Trafic TB20 approche éco pour intégration. Victor Novembre, autorisé au décollage. On s'aligne, on décolle. Novembre, Golf Tango pour information. Deux trafics entre éco et haute tension pour intégration. Et un trafic Robin au départ de la Dure, un tour de piste passant éco entrée en plein vent arrière main gauche, piste 08. Alors, Golf Tango en entre, on rappelle établi vent arrière 08, on a visuel sur le précédent, on régule en fonction. À 30 secondes, là, je pense. Victor Bravo, on est en début vent arrière 08, on se prenant d'une PTU. Donc, Victor Bravo, appelé pour débuter. Un peu pour débuter, Victor Bravo. À 30 secondes de la verticale, novembre Lima. Novembre Lima, rappelé verticale 1200 pieds. Plusieurs trafics début de vent arrière, je rappelle. Ah, merci. Fox India Echo, le Robin devant vous fera une PTU. Vous êtes numéro 1 dans le public, rappelé final, piste 08, dur. Il a copié Fox India Echo, on est numéro 1 sur 08, dur. Ok, c'est 1450 là. Je descends à 1200, là. J'ai 1200, ouais. Il y a un avion à droite, là, je le surveille. Éloigne celui-ci. Donc ce novembre Lima, est-ce que vous avez visuel d'un TB20 qui approche le début de vent arrière? Négatif, novembre Lima, j'ai uniquement les ailes pour le départ. Reçu, alors gardez quand même visuel sur le départ, poursuivez sur la route actuelle et prévoyez une intégration en début de vent arrière et vous serez devant le départ qui est en tour de piste. Reçu, et j'ai visuel sur quelqu'un en trafic en 120 vent arrière. Il y en a deux. Victor Bravo, piste 08, dur autorisé, option 170 degrés, 9 à 16 9. Victor Bravo, autorisé, option 08. Je tourne ici, hein. Ouais. Novembre Lima, ouvrez à droite, s'il vous plaît, et ouvrez à droite pour le début de vent arrière, s'il vous plaît. J'ouvre à droite pour le début de vent arrière, Fox Novembre Lima. C'est correct, Novembre Lima, vous avez visuel sur le TB1 qui est maintenant travers gauche, plus bas. Négatif, tout à l'heure, je l'ai vu, là, je l'ai plus. Il est à gauche, là-bas. Golf Tango, vous avez visuel du... Vous êtes à quelle altitude, là? Golf Tango, on récupère, on a perdu 150 pieds. Allez, non, mieux à virer à gauche immédiatement, s'il vous plaît, à gauche pour reprendre le vent arrière, merci. Il y en a un autre à droite là-bas. Non, mieux immédiatement, merci. Ah, pardon? À gauche, non, mieux, merci. À reçu, à gauche, non, mieux. Ouais, il y en a un qui est juste là. Donc, non, Victor Novembre, vous avez visuel d'un Robin en train de virer par le nord devant vous? Bah, affirme à Victor Novembre, on a visuel. Bon, on a visuel sur l'autre. Et Golf Tango, du coup, confirmez votre altitude? 1200 pieds maintenant, Golf Tango. C'est bon pour toi, oui. Merci, Golf Tango numéro 2, précédent, fin de vent arrière, appelé final 08 dur. Numéro 2, on rappellera final 08 dur, Golf Tango. Je vois Jean-Luc. Novembre Lima, vous avez visuel sur un Robin arrière gauche, tour de piste, 1200 pieds. Négatif, Novembre. Oui, j'ai visuel, Novembre Lima. Yo Papa, 7000 francs en article à tout à l'heure. 7000 à tout à l'heure, Yo Papa. Là-bas. Ouais. Novembre Lima, gardez visuel du Robin travers gauche qui est en tour de piste. Ce Robin sera pour la Dure et Novembre Lima, vous êtes numéro 1 pour la piste en herbe. Rappelez final 08 herbe, Novembre Lima. Je rappelle sur la herbe, Novembre Lima. En finale. Fox, bonjour. Ok, 1200 pieds, on est bon. Ça c'est un plan, très bonjour. Bonjour, c'est le Fox, c'est bon, Fox, Echo, 1200 pieds pour l'intégration. Donc on est sur la gazette. Fox, 3732, transpondeur, rappelez Echo. Voilà, si tu te mets en vente. 3732, transpondeur, on rappelle Echo, Fox, Fox. Tiendra l'écart comme ça, là, c'est bon. Lone, Fox Hotel, Papa Delta Fox, bonjour. Delta Fox, 3734 au transpondeur, je vous écoute. Fox Delta Fox, je suis à 1 minute 30 du point Echo pour un tour sur Lone et je viens de Melun et 3734 au transpondeur. Gauche, hein. Ouais, rappelez Echo, Delta Fox. Rappelez Echo, j'ai l'information Juliette, pardon. Fox India Echo, piste 08 dur, autorisé, touché, vent 170 degrés, 7 à 16 9. Yeah, Echo, je touche en 08 dur. Lone de Fox, Robo Delta, rebonjour. Romo Delta 37-35, transpondeur, rappel écho. Fox Romo Delta, transpondeur 37-35, je rappelle écho. Novembre Lima, toujours visuel du Robin devant vous? Ah oui, il a dépassé le dami dans le trafic. Eh ben vous le suivez quand même, Novembre Lima, rappelez final 08 terme. Ok, merci, je le suis. Et les deux, il est sur la ville. Ok, il vire, c'est bon. Fox Delta Fox pour information, un trafic de Nautique Est Echo, route Echo Robin. Excellent, c'est excellent. Fox Romeo Fox, entrée, rappelez en arrière, main gauche 08.
On entre en appel vent arrière à gauche 08, on va pas de soucis. Ok, Yoann, tout va bien. Parfait. Novembre, Golf Tango, piste 08-0, autorisé à l'atterrissage, vent 160 degrés 8 nœuds. Golf Tango, on est autorisé à l'atterrissage, 08-0. Fox Delta Fox visuel du Robin Novo Midi, un nautique droite-gauche qui fait route écho également. Reçu Delta Fox, j'ai le Robin en vue qui rentre dans votre zone. Reçu Fox Romo Delta pour information, travers gauche, un DA40 qui fait route écho pour intégration également, il a visuel sur vous. Fox Romo Delta, on a visuel. Reçu. Fox Novembre Echo, le tour bourgeois, est-ce que vous serez éventuellement prêt pour un départ rapide d'un trafic Robin fond de base? Prêt pour un immédiat, Fox Novembre Echo. Novembre Echo, correction, Novembre Echo, maintenant on peut attendre, je vous rappelle. On maintient, on attend votre appel, Novembre Echo. Line Fox Romeo Delta au point travers Echo. Romeo Delta, entre à appel antérieur à gauche 08, trafic PA28, fin de montée initiale, tour de piste. 800 pieds, ok. Fox Delta, je rappelle travers écho. Fox Delta, Fox entrée arpée, montée à gauche 08, trafic PA28, fin de montée initiale, tour de piste. India Echo 2, trafic passe écho pour intégration. Ok, bien copié India Echo, c'est visuel là. Fox Victor Novembre, piste 08-0, autorisé toucher, vent 150 degrés du nœud. Autorisé toucher 08-0, Fox Victor Novembre. Ah, c'est bon, c'est bon. L'autre, Delta Fox, je fais un 360, j'ai laissé passer le rebord en vent arrière pour la 08. Novembre Lima, piste 08 R, motorisé atterrissage, vent 150 degrés 19. Autorisé atterrissage à Gazonne et Novembre Lima. Fox Romo Fox, numéro 1, rappelé final 08 dur. Numéro 1, appelons final 08 dur, Romo Fox. Impec. Fox Novembre Echo, rebonjour à niveau 08 dur, attendez. On s'aligne en 08 dur, on attend Fox Novembre Echo. Alors Delta Fox, rappelé Echo. Superbe. Delta Fox, rappelé Echo. Superbe. Et Delta Fox, essayez d'être un peu à l'écoute, s'il vous plaît, merci. Ok, reçu Delta Fox, j'ai cru être à l'écoute. Fox Novembre Echo, autorisé décollage, piste 08 dur, en 160 degrés 19. Ok, c'est bon. On décolle en 08 dur, Fox Novembre Echo. Fox Romeo Delta, vous êtes numéro 2, le précédent fin de vent arrière, place finale 08 dur. Non, laisse-le faire. Fox Romeo Delta, je rappelle en finale 08 dur. Une correction, Romeo Delta, rappelé finale 08 R, bon numéro 1. Fox Romeo Delta, je rappelle en finale 08, gazonné. Fox India Echo, numéro 2, le précédent fin de vent arrière, Robin devant vous, prend l'herbe, rappelé finale 08 dur, India Echo. India Echo, je rappelle en finale 08 dur, point complet. Fox Romeo, Québec, le tour, bonjour, niveau piste 08 dur, autorisé décollage, vent 160 degrés 19. Voilà, pourquoi 122 là. Roule. 122, c'est bon, frère. Ah oui, d'accord, pardon. Le nez au sol de Fox, Golf Novembre, Novembre Lima, piste 08, airbite dégagé pour rouler vers Saline. Dans Lima, roulez par la droite et rappelez avant Novembre. Je roule par la droite, je rappelle avant Novembre, Novembre Lima. Oh, c'était dur à l'interaction. Non, il y avait du bon, sportif, oui. Mais bien. Tu es sportif et tu as bien géré, nickel. Ah ouais, mais avec le trafic, c'est la première fois que je ne fais pas très souvent la verticale. Ouais, mais tu... Aller à tourner à droite, à gauche, et le trafic qui a dépassé le damier m'a perturbé. Ouais. Il était très proche. J'étais haut, après bas, après haut. Non, non, ça t'as varié de 100 pieds à peu près, à peine. T'es tombé à 1100, enfin t'es descendu à 1100 pieds. Alors t'étais à 1200, 1100, 1200. Hein. C'est bon. Bon. Moi je considère qu'en termes d'altitude ça allait bien. J'étais pas rapproché de l'autre, donc c'était bon. Et puis t'as vu là le kiss à la fin? Impeccable. Ouais. Par contre, l'herbe, ça reste quand même un peu sportif en termes de roulage hein, derrière. Ah. Yeah. Plus de risque de glissade. Bah là, ouais, tu te demandes à chaque fois si tu vas pas te... Oh, regarde, tu regardes Jean-Luc juste à droite. Romo Victor, Logne à l'écoute. Tu n'as pas appelé Fox, Romo Victor au carburant. 7000 au transpondeur, demande le roulage pour la piste 08. Oui, Romo Victor, 37-20, roulez point d'attente 08, tu rappelé prêt. 37-20, je rappelle prêt au point d'arrêt 08, Romain Victor. Il y en a deux là-bas. Ouais. Il y a un trafic de fou. Ah là, ici, ouais. Bah, c'est l'œil. Pas un 172. L'œil de Fox Hotel Alpha Romeo Echo, bonjour. Romeo Echo, bonjour. Un Cirrus SR22 au parc.
parking Alpha pour rouler au point d'attente 08 dur. Un vol à destination de Coulommiers avec l'information Juliette. Roméo Eco 37-21 transpondeur, les points d'attente 08 à peu près. 37-21 au transpondeur et on rappelle près Fox Roméo Eco. Taxi, oui, novembre, novembre Lima. Novembre Lima, vous pouvez rouler et quitter à Sadi, au revoir. Au besoin, vous laisserez passer un Cirrus de Tango Unité vers le point d'attente. Reçu, je roule, j'ai quitté à Sadi et je laisse passer le Cirrus novembre Lima. Merci à vous, bon après-midi. Le sol du Kilo Yankee, je suis à l'essence, ce sera pour rouler au parking tour, pour continuer à préparer le vol. Oui, Kilo Yankee roulé, quitté au parking tour. On roule et on quitte au parking tour. Fly Aero Service que ça s'appelle. Tour peut-être, non? Pour le roulage. Ah tiens, il a le Cirrus. Salut Fox, Romain Fox, la 08 a dégagé roulage pour le parking de l'abri, s'il vous plaît. Romain Fox, quitter l'abri, à voir. Romain Fox, quitter l'abri, au revoir, Romain Fox. C'est une grosse bête quand même, le Cirrus. C'est beau. Fais pas aller. Tu rentres par là? Non, s'il y a de la place, enfin bon, moi je vais plutôt rentrer là-bas, normal. Tu vas et tu vires juste à gauche, là. Et après on le poussera, on fera quelque chose. Salut Sol de Fox, Romeo Delta, piste 08 dur dégagé, je demande le roulage pour le parking Sadi, le coin. Romeo Delta, roulez quitté à Sadi, bon week-end. Fox Romeo Delta, je roule et je quitte. Je roule à Sadi et je quitte mon week-end. Logne ici, Fox India Echo, la 08 gazonné dégagée. Eniaco, roulez et rappelez avant novembre. Je roule et je rappelle avant novembre, moi. Checklist arrêt moteur. Roulette donnée dans l'axe, frein de parc serré. Radio fréquence clôturée, avionic master sur off. Oh, il m'a trop stressé ça, cette altération. Là, c'était un bon exercice. Ah oui, oui, mais c'est, le plus c'était l'exercice, je pratique jamais, rarement l'arrivée par le sud. Et en plus, il y avait le trafic. C'est excellent ça, c'était, oui, c'était, oh, c'était bien. C'était très très bien. Il faut le faire, hein, c'est l'exercice. Effectivement. Aussi. Ouais, que de toute façon, il faut que tu le fasses un jour ou l'autre. Oui, quand je suis débutant, donc c'est ça, c'est normal. Bon, moi, je trouve que tu t'en es bien tiré. Tu l'as fait avec. Tu le fais souvent Non, non, on l'a fait à l'occasion. On a dû en faire une fois ou deux fois une intégration pas standard, enfin pas habituelle. Mmh. Ça, c'est rare, oui. Mais c'est, une fois, on a fait l'intégration en arrivant de l'est sur la 26, tu sais, mais en passant par la verticale. Oui, ça j'ai heureusement, déjà parce fait. Qu'une fois que je suis revenu en vol en solo, j'ai dû la faire. Ah. Sinon, moi, la première fois que je l'ai fait, c'est en solo, mais ça, ça reste un peu du standard. Ouais. Mais là, l'arrivée par le sud comme ça. Et surtout, on avait fait une arrivée par le sud, effectivement, 1200 pieds avec une intégration sur la 08. Et moi, surtout que dans ma tête, j'attendais directement de dire d'aller à gauche. Oui, et il m'a dit va à droite. Je me trouve vent arrière. Vent arrière, pas tout à fait comme. Oui, vent arrière. Vent arrière. Ah, mais spécial. En tout cas, elle est bien passée. Hein. Oui. Après, tu l'as réintégrée, tu es resté 50 ou 100 mètres à droite là. Et c'est vrai que donc, quand tu n'as pas l'habitude, ça perturbe parce que tu vas commencer ta vent arrière et le mec, il te dans l'autre sens. Bah oui, c'est clair. C'est clair. T'es toujours heureux, Jean-Luc? Ah, je suis pas heureux. Non, t'as pas l'air. Regardez un Jean-Luc heureux qui se cache derrière sa casquette. Moi, je me cache sous ma casquette. Elle est chaude. Allez, va.